Le prochain défi va vous demander de profiter du soin passif de la maîtrise de l'eau en entrant dans l'eau. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. À cet emplacement-là, vous allez pouvoir trouver la maîtrise de l'eau à tous les coups. Parce que regardez, il y a un sanctuaire, vous ouvrez le coffre et vous obtiendrez obligatoirement la maîtrise de l'eau. Après, il y a un autre emplacement qui se trouve au Grand Glacier, donc juste ici, sur cette petite montagne. Et bien entendu, la maîtrise de l'eau, vous allez pouvoir les trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur Fortnite et même en voyageant dans la map. Donc regardez, là je vais voyager dans la map et je vais vous montrer que je vais avoir la possibilité de trouver un pouvoir d'avatar qui va s'afficher sur la carte. Donc regardez, sur la carte, vous avez un pouvoir qui s'est affiché. Donc il s'affiche quand vous êtes à proximité du pouvoir. Ben, ça va vous indiquer l'emplacement du coffre. Donc là, on peut voir que c'est un rouge, hein, donc c'est le feu. Et ce que vous allez devoir faire, bah, c'est tout simplement rejoindre le coffre. Et quand vous l'aurez ouvert, bah, vous obtiendrez le pouvoir qui est lié au logo. Donc ça, c'est toutes les possibilités que vous avez pour trouver les pouvoirs d'avatar. Donc maintenant, quand vous avez la maîtrise de l'eau, ce que vous allez devoir faire, c'est de profiter du soin passif. Et pour ce faire, vous avez juste à vous mettre dans l'eau et vous allez voir que votre vie va se régénérer. Donc dès que vous aurez récupéré 25 points de vie en étant dans l'eau, avec le pouvoir, bah là, vous aurez terminé le défi. Code créateur SCF.